Et là, on arrive dans un immense parc d'attractions. Et en fait, ce sont des machines qui ont juste envie de jouer, qui veulent juste faire leur vie. Et c'est la première étape pour commencer à se poser la question si toutes les machines sont méchantes ou non. Parce qu'au final, elles sont innocentes, elles nous attaquent pas. D'avoir une superbe OST derrière. Koko no gate wa hirakanai mitai desu ne. Doko ka hoka no michi kara susumenai kana? Même des gens qui nous vendent des trucs. Lui par exemple. Et lui, il va être très 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 important pour la suite du jeu. Et on a encore une fois une de ces fleurs mystérieuses. レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。J'essaye de tout explorer hein, parce que si jamais je rate des trucs. Alors, une simple plaisanterie. Toubi, vous vous souvenez du message que je vous ai envoyé au sujet de la divination jupitérienne? Eh bien, j'ai demandé aux filles de l'équipe R&D de le faire pour moi et j'ai obtenu des résultats catastrophiques pour ma santé, mon travail et mes relations sentimentales. C'est là que je me suis rendu compte que tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, comment est-ce que votre destinée pourrait être influencée par l'observation d'une autre planète? C'est ridicule. Je contrôle ma propre destinée. C'est ce que cherchent toutes les femmes du groupe Yura, de toute façon, pas vrai. en train de déprimer. Il y a encore un coffre qu'on ne peut pas ouvrir. Hop là, voilà, comme ça je gruge totalement la montée du truc. Ah.
Voilà, et ceci par exemple est un boss. Ceci est un boss. En plus avec les yeux rouges, donc ça prouve qu'elles sont agressives, mais bon. Ce n'est que pour nous. Ce n'est que pour nous leurrer. Parce que en fait au final, c'est un boss qu'on peut totalement skipper. Comme dit Toubi, s'ils ne veulent aucun mal, il n'y a pas de raison d'attaquer. Ce qui déjà va un petit peu à l'encontre du des Yora. Dixit, celui qui est debout sur la machine. Pas un autre. Non, visiblement y a rien. Alors on ne connaît pas le nom de cet androïde, enfin de ce robot pardon. Mais en gros elle s'appelle elle s'appelle Simone. On saura un peu plus tard. Ah mais quel boulet. Voici la nouvelle phase de gameplay de ce jeu, qui sont les phases de piratage. アンドロイドの死体をサイリオして攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。
Oula, merde. En fait, ce qui est intéressant, c'est la caméra qui remonte au fur et à mesure. Qui montre qu'en fait, c'est le boss qui est en train de nous regarder. Oula! Bah, j'ai failli faire un perfect. Oh, j'ai été piraté, lol. Alors, le boss. Le boss paraissait simple, mais encore une fois, c'est grâce à ce. Enfin, c'est pas un bug, c'est vraiment quelque chose pour pouvoir faire plus de dégâts assez rapidement, optimiser les dégâts. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été corrigé et qui de toute façon a été intégré pour le jeu. Donc c'est justement c'est l'exploration du gameplay à fond pour pouvoir tout optimiser. Mais j'aurais mis en difficile, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et même des gens en normal, si on ne connaît pas ça, les dégâts sont beaucoup moins importants et donc ça met beaucoup plus de temps à tuer. Toby insiste assez rapidement sur le côté des émotions. Alors, il y a un petit passage à aller par ici. Le truc, c'est que c'est pas la peine d'y aller parce que on n'a pas ce qu'il faut pour débloquer. On va trouver un coffre comme ici, donc on ne peut pas ouvrir à l'heure actuelle. Donc, ce sera bien plus tard qu'on reviendra pour faire ça. Bon, et ben ce sera dans la prochaine partie qu'on ira au village, ce que la machine va nous amener. Donc c'est ici que se termine cette première grosse session de Nier Automata. Donc, on a fait une bonne partie du jeu. J'espère que ça vous aura plu. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao !